Ce que je sais dans le Coran, Dieu dit, je vous recommande de jeûner, ainsi que les peuples qui vous ont dévancé avaient été recommandés de jeûner, comme je vous le demande. Les fidèles musulmans font actuellement face à leur foi à Allah, le jeûne du mois de Ramadan, dont ceux de Yaoundé connaissent l'importance. Dieu nous a donné beaucoup de bénédictions dans ce monde et on doit vraiment fournir beaucoup d'efforts. On a eu un an de préparation. Dieu m'a dit que le Ramadan, c'est pour moi. C'est un mois d'endurance. Dans toute la ville, notamment au quartier Briqueterie, le jeûne du mois de Ramadan a été entamé sans aucune difficulté. Chez moi, quand même, très bien. Je n'ai pas de problème. L'islam, d'abord, c'est le foie, d'abord. Donc, le Ramadan, là, tous les musulmans se portent quand même bien. C'est que c'est un mois sacré que vraiment, ton cœur ne peut pas te laisser faire certaines choses même. Et on remercie le bon Dieu. On a commencé à jeûner très bien et on prie le bon Dieu que ça finisse très bien aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a, il y a les autres, tu vois, qu'il est malade et l'autre, il n'est plus en bonne santé, il ne peut plus jeûner. Il y a les autres que Dieu leur donne la santé. Et on prie le bon Dieu comme on a commencé bien et bon, finit bien. Un peu plus rapproché du Coran, nombreux mettent en pratique les saintes écritures du livre sacré. Je ne dois pas mal parler de qui que ce soit. Je ne dois pas regarder ce qui est interdit, aller dans les lieux interdits. Je dois être humble. Ce qu'il faut ajouter, l'homme musulman doit vivre toute sa vie pendant le Ramadan. Ça doit être même. Hein. Mais pendant le Ramadan, les diables sont attachés. C'est pourquoi nous devons donner plus d'efforts que les autres mois. Intense moment de prière et de dévotion à Dieu, l'une des finalités étant de réduire les conflits armés dans les pays en proie. La situation conflictuelle dans la partie anglophone du Cameroun, par exemple. Que le bon Dieu les rétablisse, qu'ils puissent trouver la paix. On attend beaucoup d'Allah. C'est Allah même qui a dit ceci, le jeûne c'est pour moi, hein? La prière c'est pour vous. Multipliez les prières nocturnes. Selon le Coran, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman. Et si celui-ci refuse de se soumettre? L'islam a ses principes. Il faut respecter les 5 principes là pour être musulman. Le cas du jeûne. Quelqu'un, il sait que le jeûne est obligatoire. Et il accepte que c'est obligatoire. Mais lui, il ne jeûne pas. Il a le choix. S'il veut, il jeûne. S'il veut, il ne jeûne pas. Ça ne fait rien. Ce n'est pas interdit, il n'est pas gêné. Là, il est mécréant. Il n'est plus musulman.